Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver en ce vendredi où nous allons parler de la fidélité de Dieu. Fais confiance à Dieu. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, notre Dieu est fidèle. Alléluia. Nous pouvons lui faire confiance en toutes circonstances. On a parfois l'impression que Dieu nous a peut-être oubliés ou qu'il est aux abonnés absents. C'est genre, Seigneur, est-ce que tu m'entends là? La connexion passe plus, mais il est là, il est fidèle, il est toujours là. Et on va se fortifier aujourd'hui en parlant de ce thème. Et en deuxième partie d'émission, nous aurons la rubrique C'est mon histoire avec Marylène Roffidal qui était venue nous présenter son album il y a quelques semaines. Une femme pleine de joie, haute en couleurs. Mais on va voir que dans sa vie, elle a traversé une période plus difficile et Dieu a vraiment été fidèle. Il a préservé sa voix. Elle aurait pu perdre sa voix lors d'une opération très délicate, proche de ses cordes vocales, mais Dieu a préservé sa voix. Et elle est en parfaite santé aujourd'hui. Gloire à Dieu. Donc on découvrira ça en deuxième partie d'émission. Anne, on va commencer avec toi. T'es prête? Ah, je suis prête. T'es prête, t'es parfaite. Toujours. Tout se coûte toujours. Donc on commence tout de suite avec la pensée du jour. J'aurais pu intituler ma pensée « Dieu ne t'abandonnera jamais » parce qu'il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont besoin d'entendre au creux de leur situation désespérée « Ne tremble pas, ne crains pas ». Parce que Dieu veille sur toi et il ne te lâchera pas. Notre Dieu est fidèle. Hein, c'est d'ailleurs un de ses principaux traits de caractère. Le psaume 100, verset 5, nous dit « Car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. » Quand les hommes nous trahissent, quand ils nous abandonnent jusqu'à perdre notre adresse et à oublier jusqu'à notre existence, notre Dieu tient ferme dans ses promesses. Il est attaché à ses enfants et rien, absolument rien, ne nous privera de sa bienveillante présence et de sa protection. Paul a écrit aux chrétiens de Rome dans Romains 8,35 « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse ou la persécution? Ou la faim, la nudité, le péril ou l'épée ?» Et un peu plus loin, il dit « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Alors oui, Dieu est fidèle et c'est incontestable. Ça ne veut pas dire qu'il va nous faire l'aumône de venir nous faire un petit coucou pour Noël. Ça veut dire qu'il est toujours, en tout temps, là, à nos côtés, beau temps, mauvais temps. Quand la solitude nous aveugle, quand l'épreuve nous rend sourds, il est là. Il est présent à nos côtés en tout temps, il est l'aile qui nous protège dans l'épreuve, il est le bras qui s'étend pour nous sortir de la solitude la plus épaisse, comme c'est peut-être la vôtre aujourd'hui. Il ne nous abandonne jamais. Et voici ce qui est écrit dans Ésaïe 49,15. « Si on dit l'Éternel m'a abandonné, oui, le Seigneur m'a oublié. » Mais une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et même si les mères oubliaient leur enfant, je ne t'oublierai pas. Amen. Je t'ai gravé dans le creux de mes mains et je pense constamment à toi. Alors j'aimerais faire une dédicace spéciale à ceux qui se sont retrouvés rejetés par leur famille à cause de leur foi. Le psaume 27,10 nous dit « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Alors ceux qui m'écoutent, et qui se trouve dans la solitude ou le doute ce matin, ce soir, je voudrais laisser un dernier encouragement, et c'est celui de Deutéronome 31,8. Là, si vous connaissez le passage, Moïse répète à Josué les paroles que l'Éternel lui a dites, qu'il lui a données, qu'il lui a dédiées, et à son tour, il les dédie à ceux qui l'écoutent, et moi, à mon tour, je les reprends, et je vous les dédie. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, ne crains pas et ne t'effraie pas. Amen. Merci Anne pour cette belle pensée qui fait du bien. On en parlait avant le début de cette émission, on disait cette période de l'année hein, entre Noël, Nouvel An, c'est une période qui peut être vraiment festive dans certains foyers, pleine de joie, en plus c'est les vacances souvent, mais pour d'autres personnes c'est une période vraiment très très sombre, très douloureuse, très difficile. Je pense à des gens peut-être qui ont des malades proches dans leur famille ou qui sont eux-mêmes malades, qui ont peut-être perdu leur emploi, qui ont des grosses difficultés difficultés financières, qui passent par des temps d'épreuves très difficiles dans leur couple ou dans, justement, comme tu disais, ceux qui ont peut-être été rejetés par leur famille à cause de leur foi. Il y a tout un tas de situations qui peuvent nous arriver. Et aujourd'hui, on veut vraiment prendre ce temps pour vous encourager à la maison. Vraiment, on sait que certains d'entre vous, vous avez vraiment des choses difficiles, des épreuves très, très difficiles. Et puis peut-être que vous n'entendez même plus la voix de Dieu et vous avez l'impression que Dieu n'est pas là. On veut vous dire aujourd'hui que Dieu est là. Il ne nous a pas oubliés. Et c'est vrai que parfois, dans ces moments silencieux, on a l'impression, si Dieu ne me parle pas, que je ne ressens pas sa présence tangiblement, ben c'est forcément qu'il n'est pas là. Alors que pas du tout, pas du tout. Dieu peut être là, il est au courant de notre situation, il nous connaît, et même si on ne le sent pas, on ne l'entend pas, il est là. On va regarder notre verset du jour qui est un psaume, parce que David est le champion quand même pour nous remonter le moral, il est le champion pour nous le descendre aussi, mais il se ressaisit souvent à la fin des psaumes. Le psaume 27,13 nous dit « Oh, si je n'étais pas sûre de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants ». Pas sur la terre des morts, hein, sur la terre des vivants. Mmh. Et même si on lit la suite, le verset 14, il se parle à lui-même, mais on peut vous le dire à vous aussi, mets ton espérance dans le Seigneur, sois fort, que ton cœur soit courageux, mets ton espérance dans le Seigneur. C'est ça, et dans ce verset, il dit « si je n'étais pas sûr », parce que c'est une question de certitude, de conviction, c'est pas juste un espoir mince et fragile, mais c'est une conviction, une certitude. Quand on dit que Dieu te dit « fais-moi confiance », dans le mot « confiance », on retrouve le mot « foi ». Alors, je ne suis pas très fort en latin, je me tourne vers ma femme. Vas-y, Anne. C'est un mot latin, foi, ça a donné, c'est la même racine que fidélité. Fides, fidéis. Je répète ce que Anne vient de dire. Rosa, bon, en tout cas, ceci étant dit, Dieu, en fait, dit, crois en moi, mets ta foi en moi. Faire confiance, c'est mettre sa foi dans quelqu'un. Quand on fait confiance à quelqu'un, c'est parce qu'on croit qui ne va pas nous décevoir. Oui. C'est parce qu'on met notre foi en lui et on sait qu'il va pouvoir répondre à nos besoins ou faire ce qu'il a promis. Alors c'est vrai que malheureusement, en français courant aujourd'hui, quand on parle de confiance, on a souvent été déçus, notre confiance a été trahie, où on dit, bon, je lui fais confiance, mais juste à moitié, je prête ma voiture à ma fille, je lui fais confiance. Bon, à peu près, j'espère que la voiture va rentrer dans un état, le même état que quand elle est arrivée. Ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais avec Dieu, c'est pas pareil. Avec Dieu, on a le mot « sûr » ici. C'est pas juste « je lui fais confiance et j'espère que ça va bien se passer ». Non, non, c'est « je fais confiance et je suis sûr ». Et que Dieu te dit, fais-moi confiance. En fait, Dieu te dit, te redit encore, te rappelle, ne t'ai-je pas dit, je te l'ai déjà dit et je te le dis encore. Parce que c'est ça, c'est pas nouveau. Toute la Bible est là pour ces choses ont été écrites afin que vous croyiez. Oui, dit Jean à la fin de son évangile, ces choses ont été écrites afin que vous mettiez votre confiance en Dieu. Alors aujourd'hui, j'espère que ça va bien rentrer, fais-lui confiance, mets ta foi en lui et cette conviction, cette assurance, sois sûre que Dieu est là, de ton bord et qu'il intervient. Amen. Il y a des personnes peut-être qui nous écoutent aujourd'hui et justement qui peuvent se dire, mais voilà, j'ai fait confiance à Dieu, l'année est en train de terminer et puis moi j'avais vraiment mis toutes mes espérances en Dieu et peut-être je ne vois pas ces choses arriver. Et ces personnes ont tendance justement à être déçues, comme le pasteur Jonathan disait. Ouais. Mais vraiment, vraiment, moi je veux encourager les personnes qui nous écoutent à comprendre que Dieu veut notre bien plus que nous-mêmes. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on peut justement lui faire confiance. Quel que soit ce qui se passe, quel que soit ce qui arrive, toujours avoir ça dans la tête. Là, comme on a dit, le thème, c'est « Dieu dit, fais-moi confiance ». Toujours avoir à l'esprit que Dieu, il est le berger de notre âme, il est le berger de notre vie et il veut notre bien plus que nous-mêmes. Quelle que soit la situation par laquelle ces personnes passent aujourd'hui, c'est toujours de se rappeler ces choses. C'est que, oui, peut-être aujourd'hui, la Bible nous parle d'une saison qui s'appelle la nuit. Et puis la Bible dit que, mais la joie s'élève au matin. Et tous les jours, c'est possible d'être ce matin-là, juste lorsqu'on choisit de mettre sa confiance en Dieu, en fait. Là, on voit briller de nouvelles choses. Là, on voit cette journée briller. La situation même peut sembler rester la même, mais il y a des choses qui se passent qu'on ne voit pas toujours et qu'on s'accroche à Dieu et qu'on choisit de lui faire confiance. Mais c'est qu'on vit des percées dans notre âme. envie de percer spirituelle, oui, même si physiquement, c'est des choses qu'on ne voit pas. Donc, on a tout intérêt à faire confiance à Dieu. Mais Anne, certaines fois, on a cette mentalité qui est très humaine. Hein, c'est comme fais-ci et t'auras ça. Si je suis fidèle à Dieu, il me sera fidèle. Mais si je ne lui suis pas fidèle, il me sera infidèle. C'est complètement faux. Ça, c'est une pensée qui est complètement charnelle et à côté de la plaque. Je lisais le psaume... Recevez. Je lisais le psaume 24 la semaine dernière, puis ça m'a vraiment frappée. Au tout début du psaume 24, le verset 1, il dit « À qui appartient la terre? À l'Éternel, la terre et ce qu'il contient, le monde et ceux qui l'habitent. » Il y a une déclaration de propriété. Dieu est propriétaire de nos vies. Amen. Et il aime nos vies. Puis ailleurs, je pense que c'était dans Ésaïe 42, où il dit « Mais vous m'avez lassé avec vos péchés, vous m'avez fatigué avec vos iniquités, mais je vous ai pardonné. » Un peu plus loin, il dit « à cause de mon nom. » Donc il ne le fait pas pour nous faire plaisir, il ne le fait pas pour nous améliorer notre petit confort, il le fait à cause de son nom parce qu'on lui appartient. Il nous aime, il nous a fait, on lui appartient. Et c'est pour ça, à cause de son nom, qu'il nous fait toutes ces grâces et que sa miséricorde ne tarit jamais, qu'elle se renouvelle tous les jours. Ses bontés se renouvellent chaque jour pour nous. Pas parce qu'on avait quelque chose de bien, parce qu'on l'a fatigué avec nos iniquités. Et se renouvelle de jour en jour, et tu l'as lu aussi tout à l'heure, que la fidélité de Dieu dure de génération en génération. Mais quand on arrive particulièrement en fin d'année, dans notre tête, parce qu'on est humain, c'est nos repères temporels, bah c'est comme bah, Dieu, il faut que tu agisses mais de génération en génération, d'année en année, de jour en jour. Le passage dans une autre année, c'est pas un moment magique où, où tout est renversé, bouleversé, et qu'à la fois on se met énormément de pression en tant qu'humain, que ça, cette date-là, ce jour-là, il faut qu'il se soit passé quelque chose. Mais ça, c'est vraiment notre perception à nous. Dieu travaille de génération en génération, d'éternité en éternité, et du coup, c'est bon de ne pas limiter l'action de la fidélité de Dieu dans mon calendrier humain, en fait. Dieu est Dieu, et Dieu sera encore Dieu, et fidèle dans toute sa fidélité demain et après-demain, et l'année prochaine, et encore l'année d'après. Ça va être très important de défaire les mensonges du diable, qui vient te dire, tu vois, tu as fait confiance à Dieu, et... Et puis du coup... L'année arrive à son terme, et du coup, qu'il y ait une déception. La déception, je veux dire en anglais, déception, c'est le mensonge. Hein. C'est la tromperie. C'est la même racine. Donc, dans cette déception-là, elle est fausse. Parce que ne dis pas, j'ai fait confiance à Dieu, il ne s'est rien passé. Non, tu as toujours raison de faire confiance à Dieu. Et Dieu est toujours fidèle. Que tu le vois ou que tu ne le vois pas, il est toujours fidèle. À un moment donné, on a ça dans le livre du prophète Daniel. Daniel est là en train de prier, il ne se passe rien. Un jour, deux jours, trois jours, il ne se passe rien, il ne se passe rien. Puis finalement, enfin, un ange daigne apparaître, mais il lui dit « j'étais en train de combattre ». Donc lui, il pouvait avoir l'impression de dire « Seigneur, il ne se passe rien ». Non, non, mais pendant qu'il pensait qu'il ne se passait rien, il y avait toute une bataille dans les lieux célestes pour lui. Amen. Et peut-être que toi, aujourd'hui, tu dis « il ne se passe rien, j'ai fait confiance à Dieu, il ne se passe rien ». Il se passe beaucoup de choses, tu ne les vois peut-être pas, mais Dieu est fidèle, et il est toujours fidèle, il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur Israël. Et il n'est pas indifférent à ton cas, parce que ça aussi, c'est un autre mensonge, en disant « oh, Dieu est peut-être occupé, je ne suis pas important, il a d'autres choses à faire ». Non, non, il s'intéresse à toi, il travaille pour toi, tu le vois pas peut-être, demande-lui peut-être de le voir, mais il y a même des anges qui sont là autour de toi, qui font un ministère en ta faveur. Dieu est fidèle. Alors, soit simplement, et puis ça, ça demande une notion de foi, soit simplement, ben, avec foi, dire « Seigneur, je vois rien, je sais rien, je sais pas ce qui se passe. » C'est la définition de la foi. J'entends rien, mais je marche pas par la vue, je marche par la foi, je te fais confiance, quoi qu'il arrive. Amen. Mais c'est clair, c'est tellement une notion de foi, parce qu'en réalité, effectivement, on ne voit rien. Donc si on ne rentre pas... On voit, on voit pas. Mais dans ce genre de moment-là, où on a l'impression vraiment que Dieu nous a oubliés, et d'ailleurs, si vous croyez ça, je vous invite à relire le verset. Tu peux redonner la référence, là? Quand bien même j'oublierais, une mère oublierait son enfant. Ça marche pour les pères aussi. Ça marche pour les pères aussi. Oui, c'est psaume 27.10, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Oui, c'est ça, psaume 27.10. Je vous invite à aller le relire si vous avez tendance à dire « Dieu m'a oublié ». C'est quelque chose que, personnellement, je vois assez souvent dans les commentaires des émissions, où je crois vraiment que Dieu m'a oublié, Dieu ne m'entend pas, et on a cette impression parfois. Mais c'est effectivement, comme tu disais, Jonathan, une affaire de foi, en fait. Et je ne sais pas si Anne se souvient, mais il y a quelques années, on était à New York, à Brooklyn Tabernacle. Oui. Brooklyn Tabernacle, enfin, quelque chose comme ça. Donc à Brooklyn, au tabernacle de Brooklyn. Merci, on comprend mieux chez Jim Simbala. Jim Simbala et la chorale que Anne aime beaucoup chanter, en fait un chant des Watoto. Et les Watoto, c'est un ministère d'enfants orphelins de la guerre et du sida en Ouganda. Et ils chantaient « I am not forsaken ». Ce qui veut dire « je ne suis pas oublié ». Alors, il y a des orphelins qui disent « je ne suis pas oublié, Dieu est mon Père, il prend soin de moi ». Et ils le vivent au quotidien, ils peuvent dire « oui, ben, peut-être qu'ils sont orphelins, qu'ils ont perdu leurs parents à cause du sida, à cause de la guerre, à cause de toutes sortes de choses ». Mais ils disent « je sais, j'ai confiance en Dieu, il est mon Père qui prend soin de moi ». Juste après, ils disent « God knows my name ». Dieu connaît mon nom. Amen, amen. Where is Brian? Un petit cours d'anglais sur le plateau. Quelquefois, on peut aussi penser que Dieu nous a un peu oubliés, on a du mal à lui faire confiance parce que justement, on s'attend à ce que ce soit les autres qui viennent manifester la fidélité et la bonté de Dieu dans notre vie, mais Dieu peut le faire lui-même. Et comme tu l'as lu dans le psaume, c'est Dieu lui-même qui réconforte, c'est Dieu lui-même qui parle. Et je crois qu'on peut élever notre foi que la présence, la bonté, la confiance de Dieu ne viendra pas par quelqu'un d'autre aujourd'hui, que Dieu lui-même va venir rencontrer les personnes dans leur maison, là où ils sont, dans leur chambre, et de ne pas s'attendre forcément à recevoir un coup de fil ou quelqu'un qui vient à la porte, ça peut, mais de s'attendre à Dieu lui-même en personne. Dieu est une personne, et Dieu veut se manifester lui-même pour lui-même, et pas forcément à travers quelqu'un d'autre. En fait, la fidélité de Dieu, sa bonté, tout est déjà là en fait. C'est lui. C'est à nous de le capter, c'est à nous de le prendre. Et même pour certaines personnes, comme la Bible dit, Dieu se tient à la porte et il frappe. Ouais. En fait, c'est que Dieu est là juste pour te réconforter. Il est là pour porter cette chose en fait qui t'embête et qui te laisse croire qu'il t'a abandonné en fait. Il est déjà disponible, mais c'est à toi d'ouvrir ton cœur pour dire oui Seigneur, je choisis de m'accrocher. Ça ne va pas tomber aussi sur la tête comme ça. C'est juste de dire, Seigneur, je choisis en fait d'ouvrir mes yeux sur ta bonté, sur ta fidélité. Donc, Anne parlait, et c'est de proclamer ces choses en fait. Il y a des personnes qui nous écoutent, qui ont besoin de proclamer, de déclarer avec leur bouche que Seigneur, aujourd'hui, je choisis de te faire confiance. J'ai vu que si une mère abandonne son enfant, toi, tu ne peux jamais m'abandonner. Dans cette situation, je déclare que Dieu ne m'abandonnera jamais. Je peux voir la situation comme elle est aujourd'hui, mais c'est sûr, c'est certain, Dieu ne m'abandonnera jamais. Tu es celui qui prend soin de moi, tu es celui qui prendra soin de moi tous les jours de ma vie, en fait. Et on a parfois besoin de se le dire. Et quand on arrive comme ça à se le dire, notre esprit est fortifié. Et là où on avait tendance à être abattu parce que voilà, on se sentait déçu et désillusionné, mais là, on voit que non, Dieu est là, il est présent. Et là, on lui fera mieux confiance encore avec cet esprit-là, en fait, cette façon de penser. Anne, la fidélité de Dieu peut se manifester dans tous les domaines de notre vie ou est-ce que c'est restreint à certains domaines? Non, c'est tout. T'as d'autres questions comme ça? Je te posais une autre question. Non, mais tu sais, des fois, c'est moi qui fais les pasteurs, j'ai une question. Parce que des fois, il y a des questions un peu comme ça. C'est pas moi. Non, mais certains vont croire que ok, bah, Dieu a pu intervenir dans je sais pas, dans ma santé, mais dans mon couple c'est impossible, c'est peine perdue, ou dans mes finances bah non, c'est aller beaucoup trop loin, là j'ai tellement de dettes que je vois pas comment ça pourrait se régler. Voilà, Jonathan, pour les précisions. C'est-à-dire que en fait tout notre être l'intéresse, donc toute notre vie l'intéresse, nos relations l'intéressent, notre santé l'intéresse, nos finances l'intéressent, notre travail l'intéresse. Il s'intéresse à tout de nous, de la même manière qu'un père attentionné va s'intéresser à tout ce qui concerne son fils ou sa fille. il s'intéresse à tout de nous. Alors peut-être que dans le passé, il est intervenu dans nos relations familiales, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il va s'intéresser qu'à ça. Il ne faut pas qu'on limite notre foi en tronçonnant Dieu par casier. Dieu ne se met pas dans des petites cases. Dieu, la fidélité de Dieu, elle est dans tout ce qui me concerne. Et il ne faut pas limiter la foi que j'ai en Dieu à un seul domaine. Il peut agir dans mon couple, il peut agir chez mes enfants, il peut agir dans mes finances, il peut agir même avec mes voisins pénibles, il peut agir dans toutes les choses de ma vie. C'est ça, c'est pas juste parce que, genre, ben non, ben j'arrive à vivre avec ça. C'est pas grave, on peut... Des fois, on se dit, ben non, il y a des choses plus importantes, plus graves, il y a d'autres gens qui vivent des choses tellement plus graves que moi, on va même s'empêcher de prier, de demander à Dieu une intervention, disant, ben finalement, moi, je peux survivre avec ça, c'est pas grave. Puis on limite, finalement, la bonté de Dieu, l'intervention divine dans notre vie, en pensant que c'est pas assez important pour Dieu. Mais comme tu dis, tout ce qui est de nous, tout ce qui nous concerne intéresse Dieu. Et ça, c'est quelque chose, quand on le saisit, c'est très fort. Parce que Dieu s'intéresse à la personne. Il nous aime, et il nous aime avec tout l'environnement qu'il y a autour. On avait promis avec Anne de faire une dédicace à Laurence, qui est qui tient un salon de coiffure à Lomé. Et au Togo. À Lomé, au Togo. Avec Blandine, son associée. Et en fait, bon, c'est une expatriée qui est là, mais qui connaît pas Dieu, qui connaissait pas Dieu du tout. Et il y avait des missionnaires qui allaient se faire coiffer. Mon père est aussi allé se faire coiffer là-bas. Qui allait se faire coiffer là-bas et qui rendait témoignage, mais ça rentrait pas. Puis il y avait ces employés qui étaient chrétiennes, qui prient pour elle, et puis quelqu'un dira, mais Seigneur, il se passe pas grand-chose avec cette Laurence. Et puis finalement, un jour, elle est tombée sur EMCI en regardant Canal+, et elle dit, mais je sais pas ce qu'il y a avec cette chaîne, je suis pas capable de l'arrêter. et on allait la voir. Et elle connaît toutes les émissions et tous les ministères qui passent sur la chaîne. Elle est captivée. De nouveau, alors. Oui, justement. Et aujourd'hui, elle fait confiance à Dieu et aujourd'hui, elle grandit, elle met sa foi à Dieu. Alors, je m'adresse pour ceux autour qui disent « mais je prie pour des gens, je ne vois pas grand-chose », mais Dieu a un plan et il faut lui faire confiance. Amen. Et Laurence, on vous embrasse parce que je sais que vous regardez. Ah oui, elle n'en manque pas une. Tu voulais ajouter quelque chose, Aurélie ? Aussi dire aux gens que, par rapport à ce qu'on disait, que Anne disait tout à l'heure, c'est que vraiment la vie en abondance est disponible. Pas la vie, l'abondance signifie l'abondance. Ça ne signifie pas être limité justement à un domaine de la vie. Quand Jésus est mort à la croix, c'est vraiment pour nous donner la vie en abondance. Et il ne faut pas se priver de cette qualité de vie-là, en fait, parce que c'est une qualité de vie que Dieu nous a offerte. Et dans cette qualité de vie, mais tout est inclus. Et vraiment, il n'y a pas un domaine qui est restreint dans cette vie-là. On ne doit pas justement se limiter, quel que soit le domaine de la vie des personnes qui nous écoutent aujourd'hui, là où ils sentent qu'il y a un manque, là où ils sentent que peut-être qu'ils ont perdu confiance à Dieu, peut-être qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas comme ils aimeraient, mais je les invite à s'ouvrir à la vie en abondance, tout simplement, que Dieu nous a acquis, que Jésus nous a acquis à la croix, et aussi à l'accepter et à le vivre. Amen, amen. On va regarder maintenant le témoignage de Marylène Roffidal. On va voir comment Dieu a été fidèle dans sa vie, dans la rubrique « C'est mon histoire ». On se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, je reçois Marylène Roffidal. Bonjour Marylène. Bonjour. Marylène, tu es chanteuse, mais tu as aussi un ministère d'évangéliste qui bat au fond de toi. Tu as vraiment été appelée par le Seigneur pour être dans le domaine vraiment de la louange, que vraiment tes louanges puissent édifier non seulement le corps du Christ, mais aussi au niveau des incroyants. C'est bien ça? Amen, ouais, c'est ça, ouais. Et aujourd'hui, Marylène, tu viens nous raconter l'histoire que tu as vécue alors que tu as appris la nouvelle assez tragique d'un problème au niveau de ta thyroïde, un cancer très exactement, et comment Dieu a préservé ta voix au travers de tout ça, qui a été complètement miraculeux. Donc toi, tu connais le Seigneur depuis toute petite, tu lui as donné ta vie quand tu avais 16 ans. Et tu l'as servi, on peut dire, pratiquement toute ta vie. Et il y a quelques années, en fait, alors d'un contrôle tout à fait banal, ton médecin t'annonce une mauvaise nouvelle. C'est ça. Alors, en fait, ça a été un choc pour moi parce que tout allait bien. On avait eu un week-end super en famille. C'était un peu à la veille de l'été. Et donc, on pensait un peu aux vacances avec la famille. Et j'avais fait un contrôle tout bête chez mon endocrino parce que j'avais à la base un léger goitre. Mais tout petit, vraiment, ça ne se voyait pas. Et je n'avais aucun traitement, voilà, aucun médicament. Et je faisais juste une petite prise de sang par an. Et elle m'avait dit, un de ces quatre, on fera peut-être une ponction. Et puis, j'y avais même pas pensé. Je suis une personne assez joyeuse, je pense pas trop à ces choses-là. Et voilà, donc 2-3 ans après, elle m'a dit, bon, on va faire une ponction. Donc, je fais la ponction, sans même y penser. Et puis, un lundi matin, elle m'appelle, m'a dit, écoutez, j'aimerais vous voir ce soir dans mon bureau. Et là, j'ai senti, ouais, voilà, j'ai senti au son de sa voix, je me suis dit, oh là là, ça n'a pas l'air très réjouissant, tout ça. Et j'ai commencé un peu à avoir peur, donc j'ai appelé mon mari. Et je lui dis, écoute, est-ce que tu peux venir avec moi ce soir? Parce qu'on a rendez-vous, après ces rendez-vous, en plus, à 19h30, dans le bureau de l'endocrinologue. Et donc, on y est allé. Et j'étais assise donc, à côté de mon mari. Et puis, elle me connaît bien. Et elle me dit, écoutez, je ne vais pas y aller par 4 chemins. En plus, droit au but, tout de suite, elle me dit, je suis obligée de vous annoncer que vous avez un cancer. Et je me dis, quoi? Parce que je ne m'y attendais pas du tout. Je n'avais jamais eu de gros problèmes de santé, jamais été opérée de ma vie. Et je lui dis, mais non, c'est pas possible. Et là, j'étais à côté de mon mari, j'avais envie d'hurler. J'avais envie, c'était trop fort pour moi. Parce que je n'avais pas été préparée. D'un jour à l'autre, quand vous recevez une nouvelle comme ça, c'est quelque chose de très dur à entendre, parce que déjà, on n'est pas prêt, et puis à supporter. J'avais envie de me sauver de la pièce presque en hurlant, en me disant « non, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Et elle me dit « voilà, je suis obligée de vous dire aussi que, comme vous êtes chanteuse, il y a aussi un risque pour votre voix. » Et là, je lui dis « un risque, non seulement un cancer, mais un risque aussi pour ma voix. » Donc, en fait, avec ce cancer, je devais me faire opérer, bien sûr. Mais je n'avais jamais été opérée de ma vie. Rien que ça, j'avais une frousse. Ben oui, c'est sûr. Je dis, oh Seigneur. Et même avant qu'elle me dise qu'il y avait un danger pour ma voix, elle me dit, je suis obligée de vous dire aussi que, en fonction de la taille du nodule qui est là, il se peut que vous ayez un séjour en chambre plombée qui équivaut à une sorte de chimiothérapie. Et c'est-à-dire que, par exemple, je fais un séjour pendant 5 jours dans une pièce fermée, toute seule. Et moi, qui suis plutôt d'une nature assez gaie, je peux être très timide, mais aussi quand même. Je suis quand même peut-être plus extravertie. Voilà. Me voir enfermée dans une pièce, je dis, Seigneur, oh, déjà, ça, c'était terrible. Alors, la nouvelle du cancer, après une opération, après le fait d'être enfermée, peut-être en chambre plombée, plus 4e nouvelle, le fait de pouvoir perdre ma voix. Et je lui dis, mais comment ça se fait? Qu'est-ce que la voix a à faire avec la thyroïde? Et elle me dit, alors ce qui se passe, c'est que de chaque côté des cordes vocales se trouvent des nerfs récurrents. Et comme c'est de la microchirurgie, c'est quelque chose de haute précision, il se peut que le chirurgien, en enlevant un morceau ou toute la thyroïde, touche à ce nerf. Et quand on touche à ce nerf, ça peut modifier, ça peut modifier votre voix, vos cordes vocales. Et en fait, chez certains, ça peut de soprano, ça fait devenir voilà, ou avoir une voix dysfonctionnelle, ou ne plus du tout chanter. Pu perdre ta voix complètement aussi. Perdre. Voilà, tout perdre. Et quand j'entends ça, je dis non, c'est pas possible. Non seulement un cancer, peut-être un séjour en chambre plombée. Plus ça, c'est énorme. Donc, on est rentré à la maison et là, c'est sûr que j'avais pratiquement pas un mot dans ma bouche. Pas un mot. Et je suis rentrée à la maison et de toute façon, que voulez-vous faire? J'ai demandé des nouvelles comme ça. Que voulez-vous faire? Que faire? Bien sûr, on sait qu'on a le Seigneur, mais je veux dire, ça n'empêche pas que ça fait un choc. On est quand même encore humain. Tout à fait. Et voilà, c'est quelque chose de dur à entendre. Et donc, voilà, c'était le soir. Et finalement, le lendemain, je me souviens, j'ai ma grande fille qui me dit, parce que j'avais un petit peu la frousse, et forcément, on ne l'a pas dit aux enfants, parce que c'était dur. déjà pour moi. Et on leur a juste dit que je devais me faire opérer. Et comme j'avais même une frousse de ça, ma grande qui me dit mais tu sais, maman, il y a plein de personnes qui se sont fait opérer avant toi. Il y a plein de personnes. Rien que ça, ça paraît banal, mais rien que ça m'a fait du bien. Mm-hmm. Je pense que le Seigneur sait parfois diriger les enfants. De te dire que tu n'étais pas la première à vivre ça et que, ça allait bien se passer. Et donc, déjà, ça m'a fait du bien. Et bien sûr, j'ai tout de suite remis ma vie, mm-hmm. toute cette situation dans les mains de Dieu. Oui. Parce que j'ai eu la chance d'être élevée dans une famille chrétienne. Mon papa était pasteur. Mmh. Ma maman était une femme de prière. Et je la voyais souvent à genoux, mmh. prier pour mes frères et sœurs, qui étaient aussi deux frères pasteurs, qui étaient aumôniers dans l'armée, dans des situations difficiles, dans des situations de guerre où on ne savait pas parfois s'ils allaient vraiment revenir. Mmh. Et je sais qu'elle nous a toujours accompagnés dans le ministère. On a vu beaucoup de miracles, des guérisons. Et je savais que Dieu pouvait agir. Amen. Alors, ce que j'ai fait, j'ai dit, Seigneur, tu es grand. Je proclame que tu es grand. Et j'ai proclamé l'héritage de Christ à la croix, pour moi. J'ai vraiment pris ça au sérieux. J'écoutais des prédications et je me suis dit, mais Seigneur, c'est vrai, tu es mort. Tu es mort, pas juste pour nous libérer du péché, mmh. pas juste pour qu'on aille au paradis, mais tu es mort, tu as porté nos maladies aussi. Oui. Et il y a cet héritage parfois qu'on oublie, mmh. ou alors on n'y croit pas vraiment. Mais moi, j'ai décidé d'y croire. Amen. J'ai fait ce choix. Mmh. Et je dis parce que c'est vraiment une décision aussi. Mmh. Et Dieu t'a donné une parole aussi vraiment encourageante parce que tu sais, tu as appris que le chirurgien, c'était un incroyant, comme c'est souvent le cas. Et tu voilà. Dit, moi, je veux pas de ça, mais Dieu t'a dit qu'il serait vraiment avec toi pendant cette opération. Alors en fait, je suis arrivée avec mes CD pour lui montrer que j'étais chanteuse et qu'il fallait faire attention. Et je lui ai dit, voilà, je suis une chanteuse de gospel, entre guillemets, parce que je pouvais pas tout lui expliquer. Et il me dit, ben, moi je suis athée. Oh, je disais, Seigneur, j'avais plus envie de me faire opérer par lui, j'avais envie de partir et de me faire opérer par quelqu'un d'autre. Et après, c'est comme si le Seigneur me disait, mais qu'est-ce que tu crois ? Tu ne crois pas que c'est moi, le chirurgien, qui vais opérer à travers ses mains. Ça rassure, ça. Ça rassure. Et oui, et donc là, vraiment, j'ai senti la main de Dieu. Donc, je suis partie confiante. Et quand je me suis fait opérer, avant de partir, j'ai eu les paroles d'un chant que le Seigneur m'avait donné, qui était assez fort et qui correspondait à notre déménagement lorsqu'on était tout jeune mariés. Du nord de la France pour l'endroit où on est actuellement. Et peu de temps après ce déménagement, le Seigneur m'avait donné les paroles d'un verset, d'un psaume que j'ai mis en musique qui dit « Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Toujours devant toi, regarde à moi. » Et voilà, parce que le psaume est exprimé. Ça t'a apaisé. J'ai eu ces paroles en sortant du jardin. Et là, j'ai dit à mon mari, alors qu'il me conduisait à l'hôpital, j'ai dit, ça y est, je sais que le Seigneur est avec moi. Je sais qu'il est là et qu'il va mettre sa main. Amen. Et j'avais fait cette prière au Seigneur. Et c'est la preuve que l'on peut demander aussi des choses au Seigneur. J'avais dit, Seigneur, OK, l'opération, même si je ne me suis jamais fait opérer, OK, mais la chambre plombée, j'en veux pas. La chimiothérapie, j'en veux pas. Ça, parce que refusé, je sais que c'était dur. Je dis, non, ça, j'en veux pas. J'en veux pas. Donc, je me suis fait opérer. Et le chirurgien, le lendemain de l'opération, est venu et puis il me dit « ça s'est bien passé ». Je dis « c'est vrai ». Je dis « je suis guérie alors ». Il me dit « c'était tout petit ». Il me dit « attendez ». Mais je dis « si c'est petit ». Il me dit « attendez, il faut quand même envoyer le résultat à un laboratoire d'analyse et dans 10 jours, vous aurez le résultat ». Donc, ce n'était pas encore fini. Et 10 jours plus tard, tu reçois cette appel. Voilà, et il m'avait dit « il vous faut 3 semaines de repos ». Vraiment forcée, entre guillemets. Et au bout de 10 jours, je voulais aller à la réunion de prière. Mais finalement, j'étais quand même très fatiguée. Je dis à mon mari, écoute, tu sais quoi, on ne peut pas y aller, je suis très fatiguée, mais on va prier ici à genoux. On va se mettre à genoux. Et au moment où on se met à genoux, le téléphone sonne, tel quel. Et normalement, on ne prend pas le téléphone, mais comme nos enfants étaient en colonie, pour que je sois au calme et qu'eux soient préservés, on s'est dit, on ne sait jamais, c'est peut-être eux, il faut regarder. En prenant le numéro... Je ne voulais plus prendre le téléphone parce que je reconnais, c'était le numéro de mon endocrino qui allait me donner la nouvelle finale. Et je dis, la nouvelle finale, oui. Et je dis, Seigneur, oh, j'avais plus envie, mais je dis, bah, il faut bien le prendre. Et alors, par la foi, je prends le téléphone. Je prends le téléphone Et comme il m'avait dit que c'était petit, oui, je me suis dit, je lui fais confiance, et je fais confiance à Dieu. Comme c'est petit, je me dis, je suis guérie. Donc je prends le téléphone et je lui dis, vous avez la bonne nouvelle? Et elle me dit, oui, comment vous le savez? Elle me dit, oui, comment vous le savez? Allez. Et là, j'ai dit, quoi? Si c'est vrai? Parce que tu vois, j'étais partie par la foi. Ben oui. J'étais partie par la foi. Et elle me dit, oui, c'est vrai. Et je dis, je suis guérie? Elle dit, oui, vous êtes guérie. Je l'ai fait répéter au moins 3 fois, tellement j'en revenais pas. Et j'ai loué le Seigneur. Et pas de chimio, pas de chambre. Voilà, pas de chambre plombée. J'étais guérie. L'opération avait servi à me guérir. Et elle m'avait dit que dans certains cas, ça servait. Mais elle m'avait tellement préparé à la chambre plombée que je pensais que j'allais le faire. Et ça, je l'avais refusé. Ah. J'ai dit, Seigneur, j'en veux pas. Et tu l'as pas eu. Voilà, à tel point qu'elle m'a dit, vous pouvez ouvrir le champagne. Alors on l'a pas fait, on l'a pas fait parce que forcément, je veux dire, on était dans un tel état, mais c'était pour elle sa façon d'exprimer, vous pouvez crier victoire. Voilà. Et ta voix, tu as tout de suite su qu'elle était rétablie très rapidement, il reste pas beaucoup de temps. Ben non, alors en fait, c'est ça, c'était quand même une épreuve parce que ma voix n'était pas tout de suite rétablie. Et donc je savais que j'étais guérie, mais ça prenait un petit temps. Et un sacré temps quand même, quelques temps, c'est-à-dire il faut presque 1 an. Ah oui, c'est long quand même. Ah oui, et dans cette année, vous ne savez pas. C'est ça, c'était une année d'incertitude en fait. Ah oui, donc au bout de 2 semaines et demie, moi qui suis un petit peu impatiente, ou 2 semaines et demie, j'appelle le chirurgien. Et je lui dis, mais ma voix n'est pas... Mais il n'est pas encore répondu, mais il me dit, madame, je viens de vous opérer. Et tu sais ce qu'il me dit? Non. Dans la bouche d'un athée. Il me dit, mais je vous dis que vous allez refaire des albums. Comme ça. Wow. Il me dit, je vous dis que vous allez rechanter et que vous allez refaire des albums. Et je lui dis, Seigneur, dans la bouche d'un athée. C'est fou. J'ai compris en fait que c'était Dieu qui l'utilisait pour me parler. J'ai pris cette parole par la foi. C'était que 2 semaines et demie après l'opération. J'ai pris cette parole par la foi. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu es avec moi. Et ce qui est beau, c'est qu'il m'a dit même pas un album, mais plusieurs, tu vois, des albums. Il me dit, j'ai pris cette parole par la foi et je n'ai rien fait. Et au bout d'1 an, le Seigneur m'a rétabli complètement. Et tu as sorti ton dernier album, Tu es ma victoire. Voilà, voilà. Et donc cet album est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau de Dieu parce que si j'avais perdu ma voix, je ne pourrais plus chanter. Et c'est un cadeau de Dieu parce qu'il m'a permis aussi quelque part de vivre cette expérience de foi et de guérison. Et maintenant, je comprends ce que c'est aussi. Les gens qui passent par la maladie. Je sais, parce que parfois on en parle, on prie pour des gens, mais quand on n'est pas passé par là, c'est difficile. Et justement, est-ce que tu veux, dans la minute qui nous reste, prier pour nos téléspectateurs qui, justement, s'identifient à ton histoire? Amen, amen. Ce que je veux dire, c'est qu'on a un grand Dieu. On a un grand Dieu et si vous m'écoutez ce matin, cet après-midi, ce soir, à n'importe quelle heure de la journée, je peux vous dire que Dieu est présent. Et je sais ce que c'est parce que pour moi, c'était dur. Parce que déjà, j'avais plus mes parents. J'avais mon mari, mes enfants, mais c'était dur parce que je l'avais gardé pour moi et je l'avais dit qu'à quelques personnes. Je voulais garder ça entre nous et le Seigneur. Mais ce que je sais, c'est que Dieu est plus grand que tout. Et que là où vous êtes, si vous avez des problèmes, si vous avez des situations difficiles au niveau des résultats que vous avez eus par rapport à des maladies, par rapport à des diagnostics, je peux vous dire que Dieu est plus grand. Et ce soir, je veux vous encourager à proclamer par la foi la victoire de Dieu sur votre maladie. Et si vous voulez, on va prier ensemble parce que ce que Dieu a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Amen, Seigneur, je te prie par la foi. Seigneur, je te prie, Seigneur, avec joie, parce que je sais que tu es un grand Dieu. Je sais que rien ne t'est impossible. Tu es celui, Seigneur, qui renverse les situations de l'impossible, comme tu l'as fait pour moi. Seigneur, j'ai tellement vu de cas autour de moi où des gens avaient perdu la voix, ou même des personnes qui sont décédées, que c'est magnifique d'avoir vu comment tu as pu agir pour moi. Et c'est magnifique de savoir que non seulement pour moi, mais tu peux le faire aussi pour d'autres personnes. Et là où vous êtes, je vous encourage à placer votre foi en Dieu, d'ouvrir votre cœur et de garder vos yeux fixés sur le Seigneur et de recevoir la guérison qui vous est acquise à la croix. Le Seigneur est mort pour nos péchés, mais non seulement pour nos péchés, il est mort aussi pour nos maladies. Il les a portées. Et aujourd'hui même, vous pouvez vous confier en lui de tout votre cœur. Vous pouvez recevoir sa guérison parce qu'il est ressuscité des morts. Il a remporté la victoire sur la maladie, sur la mort, sur le péché, sur toutes sortes de problèmes. Aujourd'hui, il peut vous délivrer de quoi que ce soit. Je crois qu'il peut le faire. Et je vous bénis dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Marylène. Merci pour ton témoignage. Merci, et merci à toi. Et ton cœur sincère. Et bravo pour ta foi et ta persévérance. Merci, merci. Je suis très contente d'être venue et à une prochaine. À une prochaine, Marylène. Voilà. Gloire à Dieu pour l'histoire de Marylène qui nous fortifie, qui nous encourage et on voit la main de Dieu même dans des situations très difficiles, très complexes. Anne, avant qu'on termine cette émission, est-ce que tu veux bien prier pour nos frères, nos sœurs qui nous regardent et qui sont dans un temps vraiment où ils ont besoin de voir la main de Dieu intervenir? D'accord. Seigneur mon Dieu, tu es tellement fidèle. Il n'y a rien qui peut exprimer la fidélité de notre Dieu. Et ma prière aujourd'hui, Seigneur, c'est que vraiment tu visites ceux qui aujourd'hui se sentent délaissés, se sentent un peu abandonnés par toi, qui ont perdu confiance dans ta fidélité. Je te prie, mon Dieu, de leur montrer combien tu es fidèle, de mettre une conviction dans leur cœur que tu es fidèle, que tu prendras soin d'eux dans tous les domaines de leur vie. Je te prie vraiment d'étendre ton bras vers eux, de te révéler, en fait, de te révéler tout simplement. Qu'il y ait vraiment des paroles qui leur reviennent, que ce qu'on a partagé sur ce plateau les touche. Je te prie, mon Dieu, parce que ce serait injuste qu'ils continuent comme ça à croire que tu n'es pas fidèle. Parce que tu es un Dieu merveilleux, nous sommes là pour en témoigner. Tu es un Dieu fidèle et bon, patient avec tes enfants. Et nous te sommes tellement reconnaissants, Père éternel. Sois béni, mon Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu, vraiment. Et j'aimerais terminer en vous rappelant juste ce qu'Annabelle disait tout à l'heure. C'est pas parce qu'on est à la fin de l'année, le 31 décembre, votre vie ne s'arrête pas. Dieu va peut-être intervenir le 1er janvier ou peut-être en février, peu importe. Ne limitons pas l'intervention de Dieu. Accrochez-vous à lui. Il est fidèle, il vous aime et il veut prendre soin de vous dans tous les domaines de votre vie. Merci à tous pour votre fidélité. Merci de nous avoir suivis. On va se retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Vous êtes bénis en Christ. Passez un très bon week-end et bonjour chez vous.